Hello tout le monde, c'est Abel87 pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau let's play. Un let's play sur 3DS. J'espère que ça va fonctionner parce que j'ai eu du mal à configurer tout ça. Donc c'est la suite de All Kamen Rider, Rider Generation 2. On est ici dans Kamen Rider, Rider Revolution sur 3DS, avec en vedette notre très cher Exade. Donc voilà, j'espère que ça va. Que la configuration de tout ça s'est bien passée. Alors attendez, donc du coup je dois tout reconfigurer, mais ça va aller assez vite. C'était pas une mince affaire, hein, je vous dirais. J'utilise Citra qui est un très bon, comment dire, un très bon émulateur, mais là, les jeux japonais qui sont genre, pas vraiment inconnus au bataillon, mais presque. Du coup, c'était compliqué. On a réussi. Voilà, là, je configure juste tout ce qu'il y a à configurer. Ok, et puis je pense qu'on peut y aller. Voilà. Du coup, on a comme deux sauvegardes, j'ai l'impression. Mais ça va pas trop poser de soucis. Voilà, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Donc là, on a Exade Level 2. On va voir. En tout cas, donc ça va jusqu'à Exade, donc on aura Ghost Exade. En plus, par rapport à, bah, par exemple, enfin tout simplement par rapport à Batrider Genesis, bah on a Exade en plus avec comment il s'appelle? Blade? Ah, j'ai plus les noms en tête. Ok. Donc ça, on va voir au fur et à mesure. Ok, il y a plein de choses, plein de choses, plein de choses. Ok. Ok, bah écoutez, on va voir hein, ce qu'on va réussir à faire. Ok. Donc là, quand on arrive sur un cristal, ça fait certaines choses. Ça nous donne des petits trucs, j'ai l'impression. Bon, par contre, là, je joue à la manette, donc c'est nettement mieux. Ok, donc ça fait directement les transformations, comme forcément Generation 2. Ah, c'est quand même mieux quand tu joues avec la manette. Ok, il y a ça. Ça, c'est pour se protéger. Et si je fais ça? Ok, il y a des combos. Ok. Oh, il y a Ichigo, sérieux? Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es un copain normalement. Ah ouais, on en est là. Oh! J'ai appuyé sur R. Hop là, hop là. Ah, c'est par contre un peu plus compliqué. J'ai l'impression que Generation 2. Ok, donc. Oh, parfait. Du coup. Mince, comment. Ah, maintenant, comment activer les trucs du bas hein? Ah, ça, c'est une grande question. Hein. Est-ce que. Est-ce qu'on peut toucher? Raccourci. Ah, ça c'est les raccourcis du truc. Ah, mouvement tactile. Gestion de mouvement tactile, fenêtre de l'émulateur. Configurer. Attendez, on va voir si je peux. Bouton. Ah, d'accord, ok, j'ai le tactile. Par exemple, ici, on va dire c'est A,
Ici c'est S. Attends, on va faire comme ça. Non, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Donc là c'est 2. Donc là c'est 1. On va dire comme ça. C'est 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va voir si ça marche. J'ai fait 2. Je suis trop bas. Ça fonctionne pas parce que du coup je pourrais jamais utiliser les mouvements tactiles. Attends. Ah c'est bon. Ah mais du coup il faut que je... Ah mais du coup... Je sais pas, peut-être... On va voir, on va voir, on va avancer. Ah là je peux pas le prendre. Je peux pas le prendre ce machin. Si je clique là, non, je peux pas cliquer. À voir. On va voir comment on peut configurer ça. Bon, c'est aussi un premier jet. Ah du coup, ah ouais. Genshin. Ok. Elle a joué à gauche, ouais. On va dire que pour l'instant ça va, malheureusement j'arrive pas forcément à tout configurer comme je le souhaiterais. Ah donc d'accord, il y a même une phase de plateforme. Par contre, comment on prend? Ah putain, on peut pas prendre ce machin? Bon. Pas très grave. Ok. Ah ouais. C'est Joe. C'est Joe, 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 Joe. Putain. Je dois m'en aller. Ah bah je m'en vais. Bah du coup c'est bon, et ça. Je devais bien me barrer. Parfait. D'accord. Bon pour l'instant j'ai du mal. Ok, drive. Suis pas encore assez à l'aise. Je me rappelle pas du tout de cette forme de drive. Hein. Voilà. Allez. Allez, là on enchaîne. Parfait. Je l'ai bien enchaîné. Ah. Ok, ça va. Je me débrouille. Pas tant. Ouais, pas tant. Ah putain, en plus je me mets dans son champ de mire. Puis je fais comme ça. Hop là, le petit Enshin. Ok. Il faut que je fasse aussi un truc, c'est le contrôle. Ouais, il faut que je regarde comment...
Comment je peux faire ça? Du coup là ça va être une petite première vidéo tranquille hein. Parce qu'alors attends. Si je configure de façon le plus tac. Ouais, je pense que là on est bien. Je pense qu'on est bien. Donc 1, 2, 3. Ok. Donc là peut-être que normalement c'est le 4. Donc si je fais 4. On a entendu un petit quelque chose, mais ça a rien fait. Bon, parce que c'est marqué des rider change. Donc de toute manière, vu que c'est un beat'em all, c'est exactement le même style de gameplay que Kamen Rider Generation 2. Hein. Bon, c'est la suite, c'est le numéro 3. Hein. Bon, y a pas mal de discussions dont on s'en fout pertinemment. Ok, Ghost. En plus, c'est bien, ça fait un peu un style un peu chibi. C'est sympa. Bon, qui est d'ailleurs en fait comme l'autre. Ok. Forze. Ghost Nadechiko. Level 10, les deux level 10. Si je fais. Ah, ok. Ça, c'est pour les mouvements. Très bien. Ok, bon, moi je vais prendre Ghost. Et du coup, bah, la deuxième. La des Chico, je me rappelle plus du tout d'elle. Alors là. Attends. Y a un Rider Change. Ok. Est-ce que si je clique, ça fait quelque chose? Ok. Ok, donc ça le fait avec la souris. Très bien. Ok, donc ça, c'est un move assez nul. Bon, là, j'arrive un peu plus à m'en sortir avec Ghost. Ok. Par contre, ça. Ah, j'arrive pas à les prendre ces machins. Ah, mais c'est peut-être pour. Attends, on va voir. Son petit Henshin. Ok. Ah! Oh, putain, on peut tout choisir. Allez. C'est cool qu'on puisse choisir. C'est bien foutu, hein. Ça c'est et puis c'est assez simple d'utilisation mine de rien. Mais est-ce qu'on peut R? Attends. Ok, RO. Ah, mais ça c'est pour la forme, ouais. Allez, là du coup, qu'est-ce qui change? Non, c'est toujours ça, mais on va changer, on va faire celle-ci. Mais. Ah! Ouais, parce que là, je dois faire. Ah, c'est bas peut-être.
Alors là, mais R, bah attends, je suis pas fou, hein. R, je l'ai bien configuré. R, tac. Et bah c'est bas. Bon. Gauche doit. Si je change. Ah, ok. Donc en fait, je dois prendre des personnages bien définis. Ah. Sinon, j'aurais jamais réussi à passer en fait. Ah bah super. Bah, du coup, je vais reprendre. Ok, là c'est toujours pour changer. Ah, et peut-être en Ghost normal, il a les différentes formes, Toutankhamon, etc. Beethoven. Parce que c'est pas comme on dirait avec comment ça s'appelle? Avec Xayd. Moi j'ai mis pause parce que je veux juste voir un truc. Allez, on va changer de forme, on va prendre le ghost normal. Ah voilà, tu vois, il a pas mal de formes. Beethoven, voilà. Ok. Newton. Ah mais du coup moi j'allais te changer parce qu'elle m'intéresse pas des masses. Celle-là t'es pas si mal finalement. Attends, du coup est-ce que je peux voir les touches? Ah voilà. Elle, ça fait un truc. Attends. Elle, ça fait un truc. Faut... Ah, mais elle sait se protéger. Elle a quelque chose. Ok, on va voir. Ah, voilà. Ok, c'est... Ah, j'ai compris maintenant. Ah bah enfin. Quand même, c'est ce qu'on cherche, hein. Formidable. Oh, Confuse. Roquetto. Très bien. Bah du coup, c'est vite vu, hein, moi ce que je vais faire. Ah, ok, on est les deux carrément. Mais moi je vais faire directement ça. Ah mais ça n'a rien enlevé. Sérieux? Là je rêve un petit peu quand même. Changer de forme, allez, on va changer de forme un petit peu.
En fait, c'est vraiment bien pensé pour changer de forme quand même. C'est extrêmement bien pensé en fait. Parfait. En tout cas pour Ghost. Après pour les autres, je sais pas trop comment ça va se passer. Mais c'est pas simple. C'est pas simple du tout, même à la manette. Hein. C'est pas simple. Mais voilà, enfin ça va être sympa, je pense que de faire également en parallèle celui-ci à la fois sur Nintendo DS et celui-ci sur 3DS, ça peut être intéressant. Celui sur Nintendo DS c'est nettement plus simple quand même. Ok, Drive. Donc là on a tout ce qui est nouveau, hein. Accès 2, ça c'est pas nouveau. G3X, c'est pas nouveau. Parfait. Parfait. Bah du coup, on va en rester là pour cet épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Je pense que on va. Là, j'ai enregistré. Donc je pense qu'on va se faire plaisir aussi sur ce jeu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss tout le monde.